Merci beaucoup. Merci Isabelle pour cette présentation qui m'invite à faire une petite intervention sans filet à l'issue de ce colloque. Je pense que plutôt que de présenter les enjeux des Cultural Studies à l'issue de ces deux jours de débats assez intenses, assez riches, avec des interventions extrêmement généreuses, je vais simplement dire quelques mots sur cette table ronde et sur la manière dont elle s'inscrit à la fois dans une continuité avec nos deux journées de débat et la manière dont, en même temps, elle va constituer une sorte d'ouverture, une sorte d'excroissance, je dirais, par rapport à ce qu'a été la ligne de débat principale durant ce colloque. Il a été beaucoup question durant ces deux jours de circulation des concepts, de transfert d'idées, de théories voyageuses, ainsi que de traduction, voire même de non-traduction, notamment de non-traduction, je dirais, d'idées dans les pratiques. C'était notamment en partie un des points qu'a soulevé Nassira Aghanif lorsqu'elle parlait de ce qui n'advient pas aujourd'hui dans certaines des pratiques qui constituent l'université française. Nous allons parler dans cette table ronde de la circulation des idées qui ont émergé des Cultural Studies, de leur circulation dans le domaine de la production culturelle, et donc de l'influence qu'elles ont pu avoir, d'une certaine façon, sur différents domaines, à savoir notamment l'influence qu'elles ont pu avoir dans la redéfinition du style et de la mode, l'influence qu'elles ont pu exercer dans le domaine de la production et de la programmation télévisuelle, ou encore l'effet qu'elles ont pu susciter dans le domaine des pratiques artistiques, voire des pratiques curatoriales. Donc cette table ronde, elle, je vous le disais, il y a une forme de continuité, évidemment, puisqu'on va ici envisager des types d'articulations particuliers, des types d'articulations entre la théorie et la pratique, une question évidemment qui n'est pas sans familiarité avec le champ marxiste et la question de la praxis, et une question qui a aussi beaucoup animé le centre de Birmingham. Même si, et c'est là où effectivement il y a un petit pas de côté ou une petite ouverture, il ne sera pas question dans cette table ronde de manière centrale des enjeux du marxisme. Alors, cette hypothèse d'une influence des cultural studies sur, je dirais, l'extérieur, le dehors de l'université, n'est pas si étonnante si l'on considère que le CCCS a été sans doute moins une école, même si on parle aujourd'hui de plus en plus d'école de Birmingham, mais au sens où elle était sans doute beaucoup plus qu'une école au sens pédagogique et théorique du terme, elle était sans doute plus un squat, pour reprendre le terme qu'employait Dick Hebdige pour décrire ses années au CCCS. Elle était un squat au sens où elle était un point de croisement entre différentes expériences de vie et une sorte de lieu où pouvaient s'articuler des pratiques diverses, des pratiques scientifiques évidemment, mais aussi des pratiques politiques, des pratiques artistiques de diverses natures. Donc l'idée que ce haut lieu de la vie intellectuelle et politique britannique ait pu jouer un rôle dans la redéfinition de tout un tas de champs et de pratiques artistiques me semble être une hypothèse féconde, et en tout cas c'est celle que nous allons essayer d'explorer ce soir avec nos trois invités. Donc nous entendrons tout d'abord Dorothy Hobson, qui est spécialiste de l'histoire culturelle, en particulier de l'histoire de la télévision. Dorothy Hobson a été étudiante au CCCS entre 1975 et 1981, et elle a réalisé au centre de Birmingham sa thèse de doctorat, qui a été publiée sous le titre « Crossroads, the drama of a soap opera », un ouvrage qui est devenu très rapidement l'un des ouvrages majeurs des Cultural Studies britanniques et qui continue aujourd'hui à être une référence dans ce domaine. Elle a aussi publié un second ouvrage sur le soap opera en 2003 et puis un livre sur l'histoire de la chaîne de télévision Channel 4 qui s'appelle Channel 4, The Early Years and the Jeremy Isaacs Legacy. Et enfin, elle a co-dirigé avec Stuart Hall, Andrew Lowe et Paul Willis
la publication de l'anthologie des Working Papers du Centre de Birmingham, qui s'intitule « Culture, Media and Language ». Nous entendrons dans un deuxième temps Sophie Orlando, qui est historienne de l'art, professeure à l'École nationale supérieure La Villa Arson, à Nice, et chercheur au sein du laboratoire Black Artists and Modernism, qui est un laboratoire qui appartient à l'University of Arts London. Sophie Orlando est spécialiste des arts britanniques à la période contemporaine. Elle a publié de nombreux articles, notamment sur le British Black Art, et elle publiera d'ailleurs à la rentrée un ouvrage qui s'intitule « British Black Art, Debate on Western Art History ». Elle a dirigé récemment une exposition des travaux de l'artiste Sonia Boyce, dont elle nous parlera, je crois, et elle dirige une monographie de cet artiste qui paraîtra en 2017. Enfin, nous entendrons Nick Rhys Roberts, qui est maître de conférences en Media and Cultural Studies à l'Université de Bristol, mais mon petit doigt me dit qu'il sera à la rentrée prochaine professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle. Ses recherches actuelles portent sur la mode et sur l'intermédialité, notamment sur les relations entre mode, cinéma et communication numérique. Il va d'ailleurs publier en 2017 un ouvrage à ce sujet qui s'intitule « Fashion Film, Art Advertising Documentary ». Et il a aussi travaillé sur les représentations du genre, de la sexualité, de la race et de la classe, en particulier dans le cinéma gay et queer, alors, au travers d'un ouvrage qui s'appelle « French Queer Cinema », et puis dans un livre que j'ai eu le plaisir d'écrire avec lui, qui s'appelle « Homo Exoticus, race, classe et critique queer ». Et je donne sans plus tarder la parole à Dorothy Hobson. Bonsoir. And that's all that's going to be in French. First of all, I'd like to thank both the Maximes and Isabelle for inviting me to speak and also for looking after me so well, as my colleagues have also said, and thank you for all the other people here who've made us so welcome. I just wanted to add a tiny bit to what Maxime has said. He's given you a bit of my biography, but I was just thinking I'd tell you, this is tiny, about my route into cultural studies. I actually studied English at Birmingham University between 1972 and 75. Remember that Richard Hoggart had been one of the professors of English there. So that department was, although it was very, very traditional, I mean, one of the modules you had to pass was Anglo-Saxon. But at the same time, it had got cultural studies. So in your third year, you could do, they weren't called modules then, they were I can't even remember what they were called, but they were courses, which was contemporary cultural studies, and another one which was called critical approaches to literature, which had all the, all the critical theorists were part of that course. So already that English department had in it a grounding of a very modern approach to literature, especially at that time. I then went to CCCS in 75 and to do an MA by thesis, which was a parallel study of Paul Willis's book, which was published as Learning to Labour. My research was about how young working class girls changed from being at school to motherhood. And a very small part of that was those women, very young women, often 17, 18, 19, talking about the importance of television and radio in their lives. And they also identified what programs they liked, which was soap operas, documentaries about the family, and they saw that dramas. They saw those as what interested them, but they recognized what they saw as men's themes, which was news, current affairs, as being important. The reason they didn't watch them was that they felt a sense of helplessness, which, that the news was reporting things, documentaries were about
you know, death and famine and all, and they felt nothing changed. So they recognized it as important, but they didn't want to, they didn't want to watch them. And that became the basis of a small chapter, Housewives and the Mass Media, which actually has been republished in so many volumes, because it was the first time this identifying by an audience of what they liked and what they didn't like. And then I went on to start research for my PhD, which was about television production and the audience. And both of these degrees, I was lucky because Stuart was my supervisor. So he was, you know, very supportive. Here I was looking at women particularly as the object of my research, and he was all the time completely supportive and very interested in all the what was coming out of my research. One tiny part of that research, and this is how the sort of, you know, not even the coincidence, how you can't ever really plan for everything. A tiny part of that research was looking at the British soap opera Crossroads, which was made in my own city. During the process of that research, the director of television sacked the star of the show. And the production team said to me, don't come. Nobody knew this had happened. This was on a Friday afternoon. On the Monday, they said, go to the newsroom because you've learned as much as you need about here. But that progressed into me writing the book about Crossroads. But before that even, and this links how you think of things, someone I knew in television production who I'd interviewed about his programme was a friend of the deputy editor of The Times when it was still Harold Evans, before Murdoch was anything to do with it. And this man rang me and said, I hear you could write the best piece about what's going on with Crossroads. And I wrote this piece, and he told me the next day that he, in the editorial meeting, he had to say who he'd commissioned to write this piece for the page on the Saturday. And he said, well, I've got this piece by a woman from Birmingham about Crossroads. And he said, around the editorial meeting went, where is Birmingham? What is Crossroads? And what is a woman? And that was the level of, and he said, I was just praying that you would deliver this piece, because he had to, and I, it was before, it, you know, you had to read the copy out to a copy reader. And that all stemmed from that. So it was never my intention. That was just the minutest part. So as came up yesterday, of course, we had published before we'd finished research. And so, you know, we went on to do other things. What then happened was the Crossroads book came out in July 82. And the woman who was the head of research at Channel 4 asked me if I would do a study about them, and it was like a dream that would never happen now. So they commissioned, they paid for my time. They had no involvement in what I did at all, but they just paid me a salary to be researching what I wanted to research. So I wrote a plan which is that I would want to use my method, which was talking to the producers, looking at the productions and talking to the audience. And that's how it came about. It initially, it was for 3 years. I, in fact, was there for 7 years because I over-researched. And as Kieran knows, I have a loft full of enough material for 20 archivists to work with. So that's how it came to be what I'm going to talk about today. However, the link with the CCCS 50, which is where Maxime saw my work, was one of the sessions there was called External Dialogues, and it had a number of us talking about exactly how CCCS, if it did, interact with the outside world. So
I'm now going onto my script. And I've been told to speak slowly so that we can follow. Is my speed okay? So I've called this Cultural Studies and Television Production, Moments of Conjuncture. So in 1982, Britain had a new television channel, Channel 4 Television. What I would like to do tonight is talk to you about the connections between Channel 4 and the theories and influences of CCCS and cultural studies. I have called the connection of the formation of the channel and its relation to the work of CCCS a meeting of minds, a shared moment in history, or in the words of Raymond Williams, a structure of feeling. During this short talk, I will try to show how the developments in culture, and particularly those that had been part of the work of the centre, had had an influence on the changing broadcasting scene. But before I get on to that, just very briefly, this is not going to be a history of British television, just a very, very brief reference to what had happened before Channel 4. Britain's first television was BBC One, which first broadcast in the London area starting on the 2nd of November 1936. It was suspended on the 1st of September 1939 at the onset of the Second World War, as it was felt that radio was a better medium to serve the national interests. The service reopened on the 7th of June 1946, but it was still only in the London area. And it was not until 1952 that the service had spread to serve the whole of the country. In 1955, ITV began broadcasting, again, in the London area. But it was not until 1962, so we're coming, you know, way up, that the first ITV companies were operating in the whole of the country. So Britain, by the early 60s, had public service and commercially funded channels. And then in 1964, remember, that's the year CCCS was founded, the BBC was awarded a second channel, and BBC Two was launched. Immediately, ITV began to lobby for a second channel, and the long road to the launch of Channel 4 began. So CCCS was founded, this lobby began, and in the next 18 years, the changes in the cultural and media landscape all fed into the creation of the new Channel 4. So the history of broadcasting and the culture and changes is a long one. So, but brought down to a few sentences, I would say the following. CCCS was established in 1964, and the idea for Channel 4, not named that at that time, also began at that time. There were many arguments about the form it would take. There was more arguments about how what that channel would be in those years. And in the meantime, the government's changed from a Labour government to, by the time it comes to fruition, it is a Conservative government, which I come round to at the end of this paper. But the debate was about whether this channel would be ITV2 or open access. Eventually, it would form its own character, but the arguments and the route it would take were influenced by all the cultural changes which were taking place during that 20 years of gestation. So during the research for my book on the history of the early years, I interviewed a number of ITV executives about the channel. And one of these men was Sir Dennis Foreman, who was chairman of Granada Television and a leading member of the ITV hierarchy, who was very knowledgeable about the formation of Channel 4 and the forces and factions who had been involved in its establishment. And out of all the interviews, I felt he articulated
very well this battle for control of the new channel before it was awarded. While the decision of who would control the channel veered between the role of the ITV companies, and remember they wanted it to sell advertising space, that was why they wanted another channel, and the push for open broadcasting, it was eventually resolved by the channel being controlled by the ITV regulatory body, the Independent Broadcasting Authority, and paid for by the ITV companies. But apart from the ITV companies, there was a very strong lobby about the channel. And Sir Dennis Foreman summed it up, I think, in a very accurate way. He said, "Now, to go to the other end of the pole, the other polarization, was a group of people, fair to say, I think, mainly of the left, intellectual rather than political," so this was not the center, this was a wide range of people, "who formed the concept of the free publishing house, rather the way that Holland operated its radio and television, the idea that any citizen has the right to broadcast." So that was how it was, that was the background. But in the event that the channel was given to independent television, and the companies had to pay a levy on their advertising revenue, which they attempted to retrieve by selling advertising space in their regions. Just a little aside about this. The sales staff of any ITV house, their job is to sell advertising. They are the flash lads, they were then, the flash lads of television, because ITV only exists by selling its space. So these people were used to selling to whoever they were getting to advertise, 19 million viewers. What they had to do was get people to put an advert on a channel where, you know, they might get 200,000 viewers. And it was, for them, it was a nightmare. And Sue Stossel taught them how to sell, how to do targeted advertising, which came out of Channel 4's own development. So there's this conflict. They had to sell the space, but it was paid for out of commerce. The commercial profits had to pay for the new channel, which had every intention of being of a culturally different channel. So that was already an interesting concept. The influence of open access supporters and the Broadcasting Act, which brought the channel into it being, was also influenced by the ideas and cultural change which had taken place in the intervening years. The new channel, it couldn't do exactly what it wanted. It was charged by Parliament to serve new audiences, be distinctive, serve minorities. And also, the Broadcasting Act specified that Channel 4 was to encourage innovation and experiment in the form and contents of programmes, and generally to give the fourth channel a distinctive character of its own. So the creation of Channel 4 signified a moment when a political idea for extending access and widening ideas within British television finally came to fruition. So like the political and artistic changes that were happening in CCCS, there was also a belief of what might be possible. And this was an overriding philosophy which fed into the channel. What I believe could be seen in the 1980s was a flowering of two creative institutions sharing a cultural and artistic moment. Both came from debates and beliefs in the 1960s, and their existence in the 1980s was evidence that such influences and changes can or could be achieved.
The ideas and the push behind the formation of Channel 4 television and the political and intellectual developments which emanated from CCCS were grounded on beliefs to widen access in every way. Widen the notion of culture from the conventional high culture to celebrations of everyday life. This idea could be applied to the area of study undertaken by those at CCCS, working class culture, football, popular music, workplace culture, youth culture, girls' culture, housewives, mass media, and the emerging theories of feminism and race. 20 years later, Channel 4 chose to fulfill their remit to provide television which was different and innovative by choosing to offer programs which were aimed at young people, black and Asian people, women, alternative news, arts, and culture in many guises. And they chose new areas which had emerged as part of the cultural landscape in the previous 20 years. So I'll now move on to my own involvement, both with CCCS and Channel 4. As I said, in the late 1970s and 80s, when I was a postgraduate student at CCCS, my topic was involved ethnographic research with television producers, broadcasting executives, and the audience. Talking to broadcasting executives and production staff immediately revealed to me that there was an awareness and understanding of CCCS in the broadcasting industry. In fact, it quickly emerged that there was much more understanding of the work of CCCS amongst broadcasters than there was in reverse by academics. So before talking about Channel 4 in the 1980s, I just wanted to talk about some of the other broadcasters who also had been influenced. You know, Channel 4 didn't emerge and nobody else had thought of these things before, but it was going on in little pockets in other companies. In the late 70s, I spent time at various broadcasting organisations, both BBC and a number of ITV companies. And at every company, there were individuals, both executives and production staff, who were aware of the theories of cultural studies, whether through the writings of CCCS or the university courses at the Open University, because by then Stuart had moved there and developed those courses. I remember the head cameraman working on the BBC situation comedy Butterflies, written by Carla Lane, who recently died, spoke of the theories of the Open University degree that he was studying. He, like others, were aware of the left-wing and cultural theories which had become part of their own cultural and intellectual education and development. It was clearly a time when the work of the centre and the OU, through Stuart's work and others, was having an impact, however small, on individuals in the television industry. Areas of programmes were also affected in other broadcasting institutions. London Weekend Television, LWT, had a current affairs programme, Weekend World, in the late 1970s, which addressed political and cultural issues, and regularly had experts and participants with left-wing and cultural credentials. I remember being there when they interviewed E.P. Thompson. I didn't know he was going to become the star of this this colloquium. It just happened that he was there, author of the Making of the English Working Class. What was interesting was at the planning meeting for that interview, it was obvious that the production team were all completely au fait for his work. Another little tip I'll give you if you're ever interviewed, and if you've ever seen E.P. Thompson, but his hands were moving about all the time. That meant they could not edit the recording of his interview.
because you know, they just couldn't, so they had to show his full interview. And I learned that the things that you think are bad waving about are actually good if you're being interviewed for television. At a more popular level, Thames Television had an afternoon programme for women called Afternoon Plus, which again engaged in topics specifically from the perspective of women. And the involvement with the production team and the editor, Catherine Freeman, that I had made me realise that it was this interesting cultural and political change that meant that these ideas were becoming part of the broadcasting output. One final mention of a programme which had embraced cultural change was the BBC comedy The Young Ones. This programme went to air in 1982, at the same time as Channel 4 was happening. And it can be seen as launching alternative comedy as a television genre. If you don't know it, it's the story of four student housemates who lived in complete chaos. But the series included a number of cultural norms, breaking of cultural norms, both visual and in production terms. As well as anarchic comedy, one of the visual innovations it had was in the middle of the situation comedy, a live rock band would appear in the bedroom of the set. And the idea was developed at London's Comedy Club and then turned into a television programme. It only ran for two series. You wouldn't think that because it's had such an influence. And it was an example of the type of comedy which began to appear on both BBC Two and Channel 4, but which was carefully nurtured and allowed to flourish in the 80s. And I know the producer of The Young Ones well, and when it happened at the same time, he said that script had been around for a long time, not long, you know, a couple of years. But when Channel 4 was going to do the comic strip, BBC executives said, okay, you can do The Young Ones. Nobody understood what it was about, but it went through. So these things, there was a coalescing, and what you needed at that time was individuals who were champions of what was going on at one level, at the producer level, but you also, there were executives who enabled these things to happen. So my own research before the work with Channel 4 had enabled me to spend time with these broadcasting organisations. And I was fortunate to be able to study their productions and speak freely with creative and production staff. And it was clear to me that the reason that I was welcomed to observe productions, because academics, as you know, not always welcome in television productions, was because of my work with audiences. I'd spoken at various conferences about the opinions of people I'd interviewed about different programmes, and it became very clear that broadcasting executives were very interested in my work and the methodology of ethnographic work interviewing audiences, because it gave them feedback, detailed feedback of their work. And at this time, it was innovative, and it had come out of the centre's work and the work that I did there. So now I'm going to very briefly go talk about Channel 4 specifically and the role that I had there and how I saw their relationship to cultural studies. The first time I went to Channel 4 was to attend a programme review meeting where I met the newly appointed commissioning editors. This was potentially a nerve-wracking experience for an academic ethnographer. I'd been commissioned, as I said, by Sue Stossel, who was head of research, and the plans for my work to study the channel had been seen by Jeremy Isaacs, and he was the greatest. You know, the connection, the similarities between Jeremy Isaacs and Stuart Hall were legion, really. Stuart was
an enabler, and Jeremy was an enabler. He let people get on with what they wanted to do and supported them. Anyway, I turned up at the program meeting, but, you know, very nervous, to be honest. Speed up, can I speed up now? I can add the one, yes. The program meeting, this program meeting was almost like an outreach of CCCS. They knew of the work of the centre, they knew of Stuart's work, but they also knew the work on youth cultures, women's studies, my own work. Discussions in this and other meetings about programmes, commissions and programme reviews were usually from an intellectual perspective, and the notion of the philosophical idea behind the programmes was important as discussions about the transmissions. Audience figures, as I've said, were low, 250,000 to 500,000, when other channels in their programmes were getting 12 million to 18 million. So they couldn't talk about numbers, so they talked about that was not the criteria. The criteria was how well it had turned out was the point of discussion. And the similarities to CCCS meetings were immense, and deeply felt convictions were prevalent in all the discussions. As with CCCS, political commitment was part of the philosophy of those who worked at the channel. The whole nature of the idea for Channel 4 was similar to the ideas which were driving the philosophy of CCCS, the notion of collective responsibility for the channel as well as your own programmes, and the fierce arguments about the content and the execution of the programmes was so much like the collectivity of CCCS. During those meetings, there was fierce debate and argument, and as at the centre, there was anger and sometimes tears. An endless battle of ideas and positions were fuel which drove the engine of Channel 4. All these editors had different backgrounds. Some were experienced television professionals, some had no experience of television, and they were all selected for various qualities and attributes which they had and which Jeremy Isaacs believed would enable him to achieve the channel which he wanted. I'm going to miss out a little bit for Maxime. And just mention the programme areas which he set up, Jeremy Isaacs, was actuality, which was news, fiction, education, youth, independent cinema, documentary series, light entertainment, which they never understood how to do that, the arts, single documentaries, media, sports, music, religion, multicultural programmes. So these programmes also had to embrace ideas of innovation and cultural change, which was the whole raison d'etre of the channel. The connections between cultural change became part of the television production world in the 80s, and they were both obvious and tacit. The coming of Channel 4 opened floodgates for many independent producers, which I won't go through. Other than to say they had the first black programmes, they had arts programmes, they had particularly, I remember I interviewed Darcus Howe, who was editor of Race Today, whose programme Bandung File was one of the channel's programmes. And he said to me, Jeremy has made me a Channel 4 person. I never dreamt I would have any interest in British television or appearing in it. And then a final programme that I'm quickly to the end, it was a programme called After Dark, which was shown late at night, which was open-ended in terms of its time. It lasted as long as the participants continued their discussions. It consisted of groups of academics, intellectuals and experts, people who had knowledge of and interest in the topic of the week, which involved wide-ranging subjects. And I paraphrase a comment made by my colleague Paul Willis about the programme, when he said to me, I love that programme. You come in from the pub and you switch it on and you start squirming that you're going to have to make some contribution to the debate. And then you remember it's on Channel 4 and you can just sit and enjoy it and watch the others argue and you don't have to do a thing. This is the final page.
It's a nice example of how close CCCS was to the whole Channel 4 project. And I want to bring now an absolute final paragraph, which is quite surprising, brings it back to politics. Perhaps a surprising example of the power of the intellectual contact of Channel 4 coupled with a new concept of independent production and hence the creation of hundreds of small production companies. I've talked about the influence of the cultural thought and how it made its way into ideas of Channel 4 and its programmes, and a lot of it was fairly left-wing and alternative. However, there was a surprising part to the whole project. Conceived in the free-thinking 60s, the long gestation meant that it came into existence in the early years of Mrs. Thatcher's Conservative government. Its programmes definitely had thought-provoking left-wing content. However, Channel 4 had its own supporter in Lord William Whitelaw, the Conservative grandee who supported the channel. He convinced Mrs. Thatcher that here was an enterprise which would create hundreds of small businesses and she would be able to take credit for enabling them to survive. So the ideologies of the companies and their programs did not matter at all. It was a creation of small independent businesses which grew into bigger businesses, which delighted Mrs. Thatcher. And William Whitelaw was so supportive of the work of the channel that he, when he ceased to be Home Secretary, they invited him to a special lunch to express their thanks to him because he was behind the legislation which he'd overseen and which had brought the channel into being. So the creation of Channel 4 was a unique moment in British television, a melding together of commerce and culture. It shared history with CCCS was evident, a new venture which was set to struggle to become established against critics from every side. What they shared was a belief in change and new representations and inclusions. And while we all live through cultural moments, rarely are we aware of their significance or the effect that something is happening until it has happened. Viewed from the future, however, it is clear that the coming together of thoughts and cultural change developed by CCCS did have an effect which manifested itself in the eventual creation of the new Channel 4, and the shared ideas and aspirations coalesced in what I saw as that moment of creative conjuncture. Thank you. Thank you very much, Dorothy. Je vais maintenant passer la parole à Sophie Orlando. Le PowerPoint, s'il vous plaît. Peut-être un tout petit mini préambule. Tout d'abord, merci pour cette invitation, Maxime et Isabelle. Je suis ravie d'être là, là aussi dans cette institution qui est le Centre Pompidou. Et j'aimerais rappeler que l'histoire de l'art, la discipline de l'histoire de l'art, était plutôt résistante aux cultural studies en France pendant très longtemps. Et donc c'est important qu'une institution comme le Centre Pompidou accueille une pensée aussi donc cultural studies, mais qui puisse s'appliquer au récit de l'art. Autre petit point, mon goût pour les cultural studies vient d'un moment, 2005, où cherchant une position située et ne trouvant pas des outils adapté, en tout cas, je ne trouvais pas mon confort dans l'académie, dans l'université française. Je suis partie à Londres et j'ai rencontré les British Black Artists. Et des British Black Artists, j'ai rencontré tout un champ de pensée qui m'a passionnée. Et premier rendez-vous sur le Black Arts, on m'a raconté l'histoire des années 80, la révolte des Anne's Worth aussi en 85, etc. Donc voici d'où je parle, si vous voulez. Donc beaucoup d'artistes associés au Black Art ont reconnu, ont montré leur connexion
avec le CCCS et avec des figures importantes comme Stuart Hall, Paul Gilroy, mais aussi Hazel Carby ou Pratibha Parmar. Toutefois, c'est vraiment la figure de Stuart Hall qui s'impose comme figure tutélaire, comme modèle déployé à partir d'un lieu d'énonciation caribéen. Et c'est ce lieu d'énonciation qui a poussé, encouragé nombreux artistes à tenir également une position black au sein du champ de l'art en Grande-Bretagne. Sachant que Stuart Hall a d'abord été reconnu pour ses écrits politiques, et donc acteur, moteur de la New Left. Le mouvement du British Black Art a commencé véritablement en 82 à la suite d'un grand colloque, un symposium appelé The First National Black Art Convention en 82, donc organisé par un premier collectif artistique qui s'appelait The Pan-African Connection. Et vous le voyez, ça a donné lieu à une prolification de collectifs artistiques. L'objectif de ce colloque était de réfléchir, rassembler les artistes qui seraient unis par ce terme « black » comme lieu d'énonciation commun, comme lieu politique d'énonciation, une expérience commune, migratoire, liée aux décolonisations du Commonwealth. Or, pour Stuart Hall, le terme « black » est inclusif et donc ne caractérise pas du tout une couleur de peau, mais donc réunit les communautés, quelles que soient les origines raciales ou ethniques, en Grande-Bretagne. Et c'est donc ce terme qui va vraiment lier au départ l'intérêt entre Stuart Hall et les artistes du British Black Art. Donc cet usage commun est un premier point, mais si on veut aller plus loin, eh bien, il faut interroger un petit peu la nature de ces liens entre Stuart Hall et les British Black Artists. Dans cette présentation aujourd'hui, je vais évoquer quelques points très parcellaires de cette question très vaste. Je vais vous parler des liens entretenus entre Stuart Hall et le black cinéma et la photographie. Les liens entre Stuart Hall et l'écriture du récit de l'art, autre point très important. Et enfin, j'essaierai d'aborder très brièvement les limites ou les tensions entre Stuart Hall et le British Black Art du point de vue des Black Women Artists. Donc, je vous le disais, les liens les plus visibles, les plus forts, commencent par ces rencontres entre plusieurs membres du CCCS et le champ des Black Films, films et vidéos, qui, dans les années 80, souhaitent interroger les théories critiques au sein du cinéma expérimental afin de déconstruire les stéréotypes de l'inconscient collectif. Ils souhaitent aussi se dégager du Black Power Movement. Il y a deux collectifs très importants qui vont être très proches de Stuart Hall. C'est le Black Audio Film Collective, ça a déjà été dit tout à l'heure par Jackie Stacey. Et puis, il y a le Black Audio Film Collective, et puis le Sankofa Film Collective, qui est plutôt lié aux questions de la Black Feminist Theory and Queer Theory. Sachant que Stuart Hall, dès les années 60, s'intéressait au cinéma, puisqu'il avait participé à l'élaboration du champ des film studies. En fait, il souhaitait qu'il y ait un programme éducatif spécifique, un champ des film studies. Donc, lors de la préparation, la réflexion sur ce film, Into a Song, les membres du Black Audio Film Collective souhaitent faire venir Paul Gilroy pour discuter du livre qui était sorti quelques années auparavant, qui s'appelle The Empire Writes Back. Donc, cette discussion a permis la nourriture intellectuelle de ce film, Into a Song. Cette relation s'intensifie lors de l'organisation d'un autre colloque dirigé par Kubina Mercer, affilié, en fait, il n'était pas membre du CCS, mais était dans le champ des Cultural Studies, et il était sociologue et puis devenu spécialiste des représentations des masculinités au sein d'œuvres d'artistes diasporiques, d'abord britanniques, puis américains.
Donc c'est au cœur de ce colloque Black Film British Cinema que Stuart Hall prononce son texte très connu, donc New Ethnicities. Dans ce texte, Stuart Hall parle de la manière dont les black artistes et les travailleurs du champ culturel rencontrent désormais le post-structuralisme, le postmodernisme, la psychanalyse et le féminisme. Et je reviendrai sur ce point. Il dit également comment « the new politics of representation has to do with an awareness of the black experience as a diaspora experience and the consequence which this carries for the process of unsettling, recombination, hybridization, and cut and mix. In short, the process of cultural diasporization which it implies. » Donc c'est vraiment cette double articulation que va travailler Stuart Hall avec le champ des film studies dans les années qui vont suivre. Donc il prend dans cet article, pour exemple, les films donc, du Black Audio Film Collective. Donc il n'y a pas celui-ci, je l'ai mis simplement en référence. Ce film The Passion of Remembrance, ou encore le film réalisé par Stephen Frears, My Beautiful Laundrette, qui est le résultat hérité du livre d'Anif Qureshi en 85. Donc je passe un peu vite sur ce point, puisque ça a déjà été évoqué dans la conférence de Jackie Stassé tout à l'heure. Je reviens aussi sur le fait que John Aconfra va entériner ce lien très fort par une double production, tout d'abord The Infinite Conversation en 2013, et puis The Stuart Hall Project. Donc là aussi, ça a été discuté, je reviens pas là-dessus, mais peut-être clarifier aussi le rôle institutionnel qu'a tenu Stuart Hall vis-à-vis de ces deux, du champ des film studies et de la photographie, puisque il a été chair de Autograph, donc une des associations des Black Photographers, qui s'ouvre en 88, et puis chair aussi de l'institution culturelle d'exposition avec une bibliothèque dédiée aux Black artistes qui s'appelle l'INIVA, Institute of International Visual Art, qui ouvre en 94. Donc Stuart Hall avait vraiment une implication intellectuelle, mais aussi une implication institutionnelle dans la fin des années 80, dans ces deux champs. Le second lieu très fort, je vous le disais, c'est la photographie. Stuart Hall ouvre le Autograph en 88, et puis il va écrire dans deux ouvrages importants. Tout d'abord, la revue 10-8, avec un numéro dédié aux Black Photographers, qu'il dirige avec David Ebele, un des grands principaux photographes black en Grande-Bretagne, et puis un autre ouvrage avec Mark Seeley, Different, en 2001. La manière dont Stuart Hall lit la photographie est assez proche de la manière dont il lit le cinéma. Dans cette revue 10-8, Critical Decade, il publie un texte avec David Ebele qui s'appelle « The Vertigo of Displacements », où il explique le passage, selon lui, entre une génération de photographes qui s'intéressent au réalisme, la photographie réaliste, à une génération de photographes qui va utiliser des formes beaucoup plus expressionnistes pour parler des identités black décentrées. Donc, quelques exemples. Il passe donc par exemple, de cette génération d'artistes qui ont été Ahmed Francis ou Van Leeuwenhoek, donc sur des représentations des populations noires en Grande-Bretagne, à une analyse des travaux, par exemple, de Ronnie Fanny Kayode. Donc les deux auteurs, David Ebele et Stuart Hall, parleront notamment de cette opposition aussi entre la photographie de Rotimi Fanny Kayode, qui passe par
des références issues de différentes traditions figuratives, spirituelles, sociales. Donc il vient puiser dans un ensemble de références avec une photographie de Robin Mapplethorpe. Donc je pense là à cette photographie de Ken Moody et Robert Chapman, une photographie de 84. Bon, je n'ai pas le droit de vous la montrer, donc je vous l'explique. Donc une photographie de 84 sur laquelle on voit donc Ken Moody, prof de stretching, donc corps black, et Robert Chapman, corps blanc, juxtaposés l'un à côté de l'autre, deux profils, une sorte de yin yang en fait très esthétisé et pas du tout avec une pensée à la fois de l'héritage des traditions de représentation, de l'héritage de traditions sociales, mais vraiment une pensée purement esthétique, érotisée des corps. Donc on peut dire que pour Stuart Hall, les artistes qui travaillent le film et la photographie constituaient un véritable terrain d'observation ou un laboratoire qui lui permettait de continuer à lire son Gramsci tout en essayant de comprendre quels étaient les enjeux de la génération des années 80. Donc Jonathan Confra disait il y a 15 jours combien pour lui Stuart Hall s'était quelque peu servi ou avait vraiment observé la manière dont ces artistes passaient donc d'une esthétique à l'autre, de l'esthétique de la représentation à une esthétique beaucoup plus fictionnelle, beaucoup plus expressionniste. Et en ce sens, traduisait une rupture ou un passage d'un moment à l'autre de la Grande-Bretagne. La deuxième influence très forte de Stuart Hall concerne son implication dans les récits de l'art, donc dans le moment de l'historicisation du black art. Il faut savoir que le black art, le British black art, est très peu rentré dans l'histoire de l'art britannique, principalement pour des racismes institutionnels. Bon, ça a été beaucoup travaillé par Rashid Aryan ou Richard Hilton, et puis pour des raisons de rejet, parce que ces œuvres étaient perçues comme une forme de contestation. Et finalement, très peu de textes d'une critique de l'art général ont été produits sur ce mouvement. Or, Stuart Hall, figure tutélaire, représentant fort de l'héritage critique du mouvement, va proposer dans les années 2000 une lecture sociologique du mouvement, tout d'abord dans un colloque à Duke University, et avec ce texte qui s'appelle The Deluge and After. Et puis, donc cette version va être augmentée, présentée un peu plus tard en Grande-Bretagne, sous le titre Black Diaspora Artists in Britain, Three Moments in Postwar History, et c'est le texte qui a été traduit et publié dans l'ouvrage de Maxime Servulle en 2013, Identité et culture 2. Donc ce papier, donc je me réfère au papier, au premier papier qui est publié dans Shade of Black, puisque c'est l'ouvrage majeur en fait sur les British Black Artists qu'on connaît aujourd'hui. Dans ce texte, il distingue donc des générations d'artistes black par des vagues migratoires. Donc, première génération, née en tant que sujets coloniaux dans leur pays d'origine avant la Deuxième Guerre mondiale, qui ensuite est venue en Grande-Bretagne en tant qu'artiste confirmé. Donc, on peut dire que cette lecture, déjà, n'identifie pas des pratiques artistiques, mais plutôt des origines migratoires et le statut associé à cela. Et c'est sur cette base qu'il va expliquer la relation que ces différentes générations vont entretenir avec le modernisme. Alors si la première génération, donc je suis son raisonnement, si la première génération souhaitait, voulait égalité, universalisme, mue par le désir d'être traité en égal, il dit Londres était la Mecque d'une génération entière d'écrivains caribéens, intellectuels et d'artistes, la deuxième génération, celle dont je vous parle, les années 80, elle, cette génération est éduquée en Grande-Bretagne, souvent née en Grande-Bretagne, et se déploie dans un contexte, dans une conjoncture très différente, donc une expérience très différente. Et donc cette génération va revendiquer une rupture. Alors quel est ce contexte ? Bien,
Stuart Hall parle notamment de la montée du racisme, évidemment, les révoltes de Notting Hill, la venue de Malcolm X, ou encore la création des campagnes contre les discriminations. Donc ce contexte-là, selon lui, situe les artistes en regard du modernisme, cette deuxième génération. Donc finalement, ces générations d'artistes, dont la génération des années 80, est ramenée à une affiliation aux vagues migratoires de la génération précédente et non pas située dans les affiliations au champ de l'art lui-même. Je souligne que c'est donc une histoire qui est lue à travers une histoire des sujets et non pas une histoire des objets, dans un climat qui est assez réfractaire à ces œuvres qui sont perçues comme activistes. Deuxième point que Stuart Hall aborde dans ce texte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'il appelle le déluge, c'est-à-dire le flot de théories critiques, l'arrivée du post-structuralisme, du French Theories, de la psychanalyse, du post-modernisme, mettant fin pour lui à la position du sujet noir essentialisé. Et c'est en cela que le cinéma, comme la photographie, constitue le terrain d'observation privilégié pour Stuart Hall de cette nouvelle position du sujet. Donc l'impact ou l'influence de ce texte est assez ambivalent, puisque d'une part, il renforce complètement la visibilité, la cohérence, voire du récit du Black Art. C'est une figure d'autorité, évidemment. Mais cette lecture sociologique de l'art, ou généalogique hein, plutôt, de l'art ne favorise pas, si vous voulez, l'inscription ou la lecture des œuvres au sein de l'histoire de l'art. Donc, quels sont les autres... je commence à basculer, vous voyez, sur les limites ou les tensions que peuvent générer les textes de Stuart Hall en regard du British Black Art. Deuxième point limite, ce serait lorsqu'on l'observe du point de vue des pratiques black féministes. Alors tout d'abord, Stuart Hall a écrit peu de textes sur les artistes femmes, sinon cités à l'occasion, mais il n'y a pas de texte majeur de Stuart Hall sur des artistes femmes. Alors si on se place du point de vue des film studies, il y avait une autre personne très importante qui a été évoquée, c'est Pratibha Parmar, et il y a aussi Valérie Amos, et donc ce texte, donc deux figures du CCCS, qui écrit ce texte « Challenging Imperial Feminism » en 84. Ce qui est dit dans ce texte, c'est que « Many white feminist failures to acknowledge » pardon, je vais le mettre comme ça. « Many white feminist failures to acknowledge the differences between themselves and black and third world women has contributed to the predominant Eurocentric and ethnocentric theories of women's oppression. » Donc elle distingue l'expérience des femmes noires et les situe en regard du féminisme blanc, enfin je devrais dire féminisme black et féminisme du tiers, ce qu'on appelait à l'époque du tiers monde, et les situe aussi en regard du féminisme black américain, qui est encore différent, et elle en appelle à un féminisme black transnational. Petit point quand même, c'est qu'on peut constater que du point de vue des féministes, il y a une double rupture à cette période, puisque bon, déjà au sein du CCS, ça a été beaucoup abordé ces jours-ci, à partir de féministes qui publient Women Takes Issues, et puis donc je rappelle que Hazel Carby et Pratibha Parmar publient leur texte dans The Empire Writes Back en 82. Une autre rupture, une autre scission apparaît, c'est au sein du British Black Art lui-même. Puisque dès la First National Black Art Convention, donc dès 82, les artistes femmes se séparent ou se remettent dans une autre communauté, puisqu'il y a un désaccord profond avec d'autres artistes. Pourquoi ? Puisque les artistes femmes souhaitent mettre en lumière, discuter, d'une histoire de l'art patriarcale et également d'une histoire des formes. Par exemple, Lubaina Hamid, une artiste black féministe, travaillera sur Hogarth ou Picasso, ce qui est très mal vu depuis d'autres points de vue masculins de l'auditoire. On constate que finalement, ces artistes femmes étaient prises en étau
entre le champ des cultural studies, donc assez masculin, ou en tout cas quand il s'agissait de parler des œuvres d'art plastique, hein, on ne parle pas du cinéma, elles étaient beaucoup tournées vers l'étude des masculinités. Évidemment, il y a le travail de Kobina Mercer qui est énorme, mais qui concerne plutôt l'histoire des masculinités. Et puis coincé aussi entre un féminisme blanc, assez indifférent au sort des black women artistes, et aussi prise en étau également par une histoire de l'art féministe, avec donc les disputes entre, les tensions et les négociations entre Linda Nochlin et Griselda Pollock, Griselda Pollock étant en Grande-Bretagne et Linda Nochlin aux États-Unis, mais les textes circulant très bien, dans les revues Block ou Screen. Alors un exemple peut-être un peu précis et puis je vais conclure. Sheila Kumari Burman, une black artiste, publie un manifeste en 87 dans lequel elle déploie une analyse précise des contraintes matérielles dans lesquelles les femmes artistes sont prises, et on sent l'héritage d'un féminisme matérialiste. Donc elle dit par exemple: Black women now realize that because of the specific ways in which we are oppressed by what male dominated society, we must present a new challenge to imperialism, racism and sexism from inside and outside the established black liberation movement. Donc il y a la présentation, ça apparaît pas ici, mais la présentation des conditions matérielles qui rendent difficile la production pour les artistes femmes, mais il y a aussi une distinction par rapport aux artistes hommes. Sachant que Sheila Kumari Burman, dans sa pratique, va de l'activisme, donc elle se situe entre l'activisme, par exemple elle participe au Leeds Asian Women's Refuge dans les années 70, elle va avoir les concerts de Rock Against Racism, et puis elle lit des féministes américaines black comme Alice Walker. Le papier s'intitule They have always been great black women artists, en réponse au très fameux texte de Linda Nochlin. Donc elle renvoie à Linda Nochlin l'absence de représentation des artistes femmes noires et asiatiques au sein de l'histoire de l'art. White women's failure to inform themselves of the obstacles faced by black artists, and in particular black women artists, has led to the production of an extremely Eurocentric theories and practice of women's art. Enfin, Sheila Kumari Burman, dans sa pratique, renvoie à l'histoire de l'art. Elle renvoie, par exemple, à Yves Klein, et donc au pop art, au nouveau réaliste. Elle, donc je fais défiler plusieurs travaux, elle s'inscrit dans l'histoire de l'art. Elle veut aussi travailler depuis ce lieu d'énonciation. Et elle est proche en cela des travaux de la New Art History, qui sont l'héritage critique du point de vue de l'histoire de l'art, de la pensée des cultural studies et du féminisme. Elle lit par exemple John Berger, et elle va lire Block, qui est le lieu d'accueil de cette pensée. Donc nous avons une artiste qui travaille ses gestes plastiques au sein d'une histoire des représentations du corps, du point de vue de l'histoire de l'art féministe, en négociant les tensions entre enjeux critiques des cultures politiques de la New Left, des cultural studies, du féminisme et du féminisme au sein de l'histoire de l'art. Donc on retourne un petit peu ici l'argument tout à l'heure de Stuart Hall, en expliquant les œuvres non pas par l'héritage migratoire de l'artiste, non pas par le trajet migratoire de l'artiste, mais par des positions d'artistes occupées justement par ces tensions entre théorie critique et histoire de l'art féministe matérialiste occidental. Donc pour conclure, si on revient à cette vue générale sur les relations entre cultural studies et black art, ou Stuart Hall et le black art movement, nous obtenons un dessin assez ambivalent, puisque Stuart Hall a agi comme une figure très emblématique, symbolique, politique, qui aide à situer le mouvement. Son analyse du black art est véritablement liée à sa lecture de Gramsci. Et donc il va amener à une pensée sur l'esthétique du cut and mix qui sera repris plus tard par Kobina Mercer. Donc maintenant sa lecture du black art est quelque peu discutable du point de vue de l'histoire de l'art, puisque justement il n'a pas
accompagné ou permis ou favorisé l'entrée de ces œuvres au sein de l'histoire de l'art, depuis lesquelles ces œuvres avaient quelque chose à dire sur justement les enjeux de pouvoir, d'hégémonie et de relations entre race, class, gender, propres au champ spécifique de l'art. Voilà, donc du point de vue des artistes femmes, ces échanges, ces négociations entre activisme, féminisme et histoire de l'art n'ont eu que finalement très peu d'espace. Voilà, je vous remercie. Oui. Je me suis mise à l'ombre. J'avais chaud. Alors. Donc j'appuie là, c'est ça ? Bon, vous êtes toujours là, dans le noir, je ne vous vois pas. Merci à Maxime pour cette invitation. Je vais vous donner une présentation un peu plus légère, un peu moins historique, en fait, il faut le dire. Je vais essayer de tracer les passerelles entre mode et culture en passant par l'économie, donc les liens entre mode et culture visuelle. Mais aussi, je vais faire référence au livre Mode and Cultural Studies, pour vous donner un aperçu un peu des liens historiques entre les deux. Et je vais peut-être essayer de traduire de temps en temps. Je ne sais pas s'il reste des Anglais dans la salle. Is there any English people still here in the? Oh, there are. Right. Okay. I'll try and translate as I go, bits, so you sort of have you have an idea of what I'm saying. Alors, je vais commencer avec le Brexit. Mis à part les conséquences immédiates du référendum, le Brexit risque d'éloigner le Royaume-Uni également d'un marché très important qui est la mode, le marché de la mode européenne. Le Royaume-Uni est en effet le second marché européen pour l'industrie de la mode derrière l'Allemagne. Certains voient le Brexit comme une catastrophe pour Londres, en particulier en tant que capitale de la mode. Frances Corner, la directrice du London College of Fashion, a constaté que, en anglais, elle dit « At a time when London's affordability is already putting tremendous pressure on our creative sector, we need to be opening up to opportunity, not closing it down. » Donc au moment où, où l'accessibilité à la ville, le fait que Londres, le fait que ça coûte tellement cher de vivre à Londres, et ça met une pression énorme sur les classes créatives, sur les industries créatives telles que la mode, on a besoin de s'ouvrir et pas de s'enfermer. En effet, comme vous savez, Londres fait partie des Big Four, comme on dit, une des quatre capitales globales de la mode. Au-delà du riche patrimoine stylistique national, on voit souvent la ville comme un berceau de la créativité, historiquement. Et c'est là où on voit le lien avec les études culturelles. En particulier avec l'infrastructure pédagogique. Et là, je pense aux écoles de mode et la richesse des formations publiques qui sont des atouts en fait pour l'industrie de la mode, mais qui ont historiquement qui passé ou qui étaient un vecteur pour les études culturelles au Royaume-Uni. Il me semble que la tradition particulière des art schools, comme on dit en anglais, cette spécificité locale, est donc primordiale lorsqu'on commence à réfléchir à la question des liens entre mode et design et cultural studies. Les fameuses écoles de mode, Central St. Martin's, London College of Fashion, Royal College of Art, sont régulièrement citées en tête des classements internationaux, et ces traditions de formation est bien entendu maintenant menacée par la privatisation massive de l'enseignement supérieur. Quoi qu'on pense de la position de Londres comme plateforme financière et l'électorat pro-Brexit s'est bien trompé de cible en visant l'Europe, c'est Londres en fait le problème, la ville reste au cœur de l'industrie de la mode dans tous ses secteurs. Création, confection, communication, marketing et les industries connexes telles que l'image et les médias. Par exemple, dans un rapport de 2014, le British Fashion Council Oxford Economics ont identifié 5 piliers pour améliorer la compétitivité de l'industrie de la mode au Royaume-Uni, dont l'un était l'un des plus importants de ces pôles, était innovation et numérique, donc l'image en gros, innovation and digital, qui comprend une large gamme d'activités comme l'image, notamment le développement du fashion film, qui est un peu le sujet de mon livre, et qui contribue à la réussite des marques de mode. La place de la communication audiovisuelle dans les stratégies de marque de mode est bien entendu centrale, mais on se pose la question, on se demande pourquoi. Tout simplement parce que les médias culture contemporaines fonctionnent
comme vous le savez bien, de manière transversale, de manière horizontale. Et la mode nous offre une bonne illustration, à mon avis, de la porosité de la culture visuelle. Cette idée de « spreadable media », selon les termes de Henry Jenkins et bien d'autres. Pour le dire vite, on ne peut plus penser mode, image, publicité, film, communication, culture de manière dissociée. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit toujours historiquement dans les cultural studies et que les acteurs de l'industrie de la mode savent déjà, mais qui n'est pas reflété au sein de l'université avec l'obsession disciplinaire traditionnelle. Donc là, on voit un peu l'apport des cultural studies sur la façon d'imaginer l'industrie de la mode. Mais pourquoi penser la mode en lien avec la culture visuelle en particulier? Et ça, c'est là, je réponds à la question de cette table ronde. La mode est aujourd'hui un spectacle médiatique autant qu'une industrie créative. Quand on dit mode, on pense au processus culturel autant que le travail sur la matière, le circuit élaboré à travers la fabrication, la distribution, la communication, la consommation. La mode, c'est évidemment tout ça en même temps, à la fois l'économique et le culturel. Et puis penser la mode en lien avec l'image est important tout simplement parce qu'elle constitue toutes les deux des forces culturelles et économiques majeures. Mais c'est bien sûr le sémiologue français Roland Barthes dont les écrits ont été très influents et très importants pour Stuart Hall et bien d'autres. C'est Barthes qui nous a appris que les vêtements acquièrent un sens grâce au fait qu'ils s'inscrivent dans un système, le fashion system, le fameux système de mode. Mais ce système a été radicalement bouleversé par deux choses, la globalisation bien sûr et le numérique depuis le début du siècle. Et d'un point de vue des cultural studies et plus précisément la formation britannique de cultural materialism qui a toujours tenté de relier l'économie à la culture, la mode n'est pas seulement force de production, pas seulement une industrie, elle est aussi une vision technologique, un mécanisme pour la représentation d'identité individuelle et collective. Et cela explique à mon sens pourquoi les fashion studies, ou cette formation des fashion studies qui émergent, qui sortent en fait de cultural studies, pourquoi les fashion studies sont nées dans le monde anglophone et non pas dans le monde francophone. Car cette méthode, cette façon d'aborder la mode vient justement des approches cultural studies. Alors que je disais, en effet, aujourd'hui, la mode est donc autant industrie médiatique que créative, et on ne peut plus penser la création de mode en dehors du visuel, en dehors de la culture visuelle, et plus largement en dehors du marketing, bien sûr. Le champ de la communication visuelle de la mode continue à se développer très rapidement. Par exemple, les sites marchands fusionnent de plus en plus avec la presse en ligne, où le lecteur joue un rôle de consommateur. Vous avez suivi le click and buy, enfin tous les débats dans l'industrie de la mode autour du fait qu'un consommateur peut acheter directement en cliquant sur les vidéos. Les marques de mode misent gros sur Instagram, bien sûr, qui contient maintenant des films de 15 secondes et diffusent leurs défilés en direct sur Periscope. Tout cela, en fait, crée une sorte de tout visuel de la mode. The idea of a spectacle, l'idée de spectacle, en fait, de la mode qui passe par le numérique. Il y a aussi le fait que les industries de la mode et du luxe font médias de nos jours et occupent la culture. Et je vais revenir à cette manipulation commerciale des arts visuels pour faire un lien avec la présentation précédente dans un instant. Mais l'autre grand changement qui a bouleversé la mode depuis au moins 15 ans, c'est la célébrité. Et il y a peu d'études sur la question de la célébrité. Je voulais vous montrer ce livre-là. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui s'intéressent à les liens entre mode et culture de la célébrité. L'interdépendance des deux, en fait, c'est un livre de Pamela Church Gibson. Dans ce contexte, je pense à la nouvelle génération de mannequins, personnalités qui viennent des médias sociaux, Kendall Jenner, Gigi Hadid, et les liens entre la création et la culture pop chez Olivier Rostin, chez Balmain, par exemple. Mais un autre exemple médiatique serait l'impact de la Met Gala à New York, l'événement soi-disant philanthrope qui est organisé par Anna Wintour et Vogue, qui est un peu en quelque sorte les Oscars de la côte Est en termes de couverture médiatique.
En mai dernier, le British Fashion Council, pour revenir à l'Angleterre, a annoncé la première Met Gala à l'anglaise, je ne sais pas trop ce que ça donnera, mais qui aura lieu à Londres l'an prochain, pour faire justement la promotion de la ville en tant que capitale de la mode. Et cet événement sera ouvert à un public payant, donc c'est à la fois démocratique, c'est ouvert au public, mais bon, il faut payer quand même, c'est toujours ça la question centrale. Cela a pour objectif de renforcer la réputation de la ville, qui a été couronnée première capitale de la mode en 2011 par Global Language Monitor, qui trace un peu l'influence des villes de mode sur Internet. Et je vous rassure que Paris, Paris a repris la couronne de capitale de la mode internationale. Mais pour revenir à la conjoncture actuelle, même si le Brexit paraît bien évidemment grave d'un point de vue politique, économique, social, et risque d'isoler et fragmenter le Royaume-Uni et l'Europe davantage, le rayonnement culturel et l'influence stylistique du pays persistent. So here I'm talking about the impact, the sort of stylistic impact of the UK culturally as it's channeled through fashion. Par exemple, là je vous donne des exemples de presse de la semaine dernière, une certaine Anglomania, qui est opportuniste bien sûr, était visible lors des défilés de mode masculine la semaine dernière à Paris, où il y avait beaucoup de sources d'inspiration anglaise. Et donc il ne faut pas oublier bien sûr que la raison d'être de la mode après tout, c'est de faire commerce avec l'actualité, to trade in the present. Cet attachement stylistique à la culture anglaise et écossaise, il faut bien le dire, est assez courant. Il y a trois semaines, Dior et Gucci avaient organisé leur défilé croisière en Angleterre, Blenheim Palace à Oxford, mais aussi à l'abbaye de Westminster à Londres. Et pour son défilé homme, le créateur avant-gardiste belge Walter von Behrendonck s'est inspiré du roman classique de Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Faisant défiler des hommes aux vêtements couverts de rubans multicolores qui faisaient penser aux danseurs traditionnels, donc les Morris dancers. Ce retour à la culture traditionnelle anglo-saxonne, donc c'est une espèce de retour à la culture folk, remplace les citations attendues à la culture pop. Parce que quand on pense à la mode anglaise ou la mode britannique, on pense toujours à la culture pop. C'est intéressant d'un point de vue de cultural studies, parce que c'est bien la blanchité affichée de ces références qui est sans doute la chose la plus problématique d'un point de vue identitaire. Surtout vu le contexte du référendum la semaine dernière et la montée de la xénophobie, les débats autour de l'immigration. Un autre exemple, c'était Dries Van Noten, qui parmi les créateurs de mode masculine les plus influents, qui a pris le manoir de William Morris, l'initiateur du mouvement Arts and Crafts, art et artisanat, du 19e siècle comme point de départ. Ce genre de transfert culturel et stylistique, qui est un retour assez surprenant quand même aux inspirations traditionnelles de la culture anglaise, est intéressant vu la dominance historique des styles urbains sous-culturels dans l'articulation de la relation entre mode et culture. Et là, je pense notamment au livre, bien sûr, de Dick Hebdige, Subcultures, et cette tradition qu'il y a au sein des études des cultural studies anglophones de prendre les sous-cultures comme objet d'étude. Et par subcultures, je veux dire les styles majoritairement masculins venant des sous-cultures musicales ou politiquement contestataires des années des années 70 et 80, bien sûr, mais c'est l'impact énorme sur la mode des styles rock, mod, hippie, punk, dans le contexte du livre de Hebdige, bien sûr, mais aussi après punk, post-punk, new wave, clubbing, hip-hop, hipster, les effets de ce qu'on appelle en anglais le bubble-up effect, l'influence de la rue sur la culture de mode. Dans le contexte, et là je veux juste juste parler de manière plus historique, dans le contexte de la critique marxiste, ce livre de Hebdige fut le premier à décrypter les looks mode punk en pensant au processus de réappropriation des vêtements ou des styles par des publics oppositionnels. Donc là, on pense au style vestimentaire punk, les t-shirts déchirés, les vêtements détournés par Vivienne Westwood ou
Jean-Paul Gaultier, bien sûr, en France. Cette démarche qui visait à contester la norme de masculinité bourgeoise, qui est le costume cravate, enfin le costume traditionnel. Au fond, nous dit Hebdige dans son livre, les sous-cultures, les subcultures visibles ou spectaculaires sont historiquement des cultures de consommation. Donc il fait ce lien entre consommation et subculture, et cultural studies. Elles affichaient, les sous-cultures, leurs différences, et c'est en partie à travers les styles visuels et les marchandises de mode que les sous-cultures ont toujours joué avec l'identité. Alors, vu du 21e siècle, ce type d'écrit, surtout le livre de Hebdige des années 70, paraît très ancré dans une époque historique. C'est très daté, en quelque sorte. Et on pourrait même dire que ces notions de subculture contestataire ou l'appartenance politique qui s'exprime par le style vestimentaire, tout ça n'a peut-être, enfin, ça a moins de résonance qu'à l'époque. Et la situation politique ou sociopolitique est beaucoup moins, moins claire là-dessus, en tout cas. C'est l'anthropologue Ted Paul Hemus qui dit que les consommateurs qui nous sommes habitent « supermarket of style », donc l'idée du supermarché du style, où il y a peu de signification politique ou choix vestimentaire en dehors des discours consuméristes. Et on pourrait constater la même chose si on pense au débat féministe, et là je pense au livre à droite, les débats féministes des années 70-80 qui étaient pour ou contre la mode d'un point de vue politique ou moral. Donc une certaine résistance en fait à la mode au sein des milieux progressistes, et c'est quelque chose que Elizabeth Wilson a toujours démonté dans le livre qui est peut-être le livre fondateur des Fashion Studies, A Dawn in Dreams de 1985. Et elle met en question cette résistance féministe envers les cultures de mode. Alors actuellement, ce sont des questions de mode et race en fait qui ont pris le relais. Identitaire en tout cas dans les fashion studies. Et là je vous montre deux couvertures plus récentes. Je pense au travail de Rena Lewis à gauche, Muslim Fashion, Contemporary Style Cultures, qui a été publié par Duke University Press l'année dernière, mais aussi le livre de Carol Tulloch que je vous recommande vivement. I'll say it's a bit in English, it's a really excellent book on the right that came out at the beginning of this year. That looks at questions of race and racialization in the context of fashion, and these ideas around ethnicity and race and the links between fashion have certainly replaced the earlier focus on feminism, on gender, and the earlier focus particularly on male subcultures. Et donc son livre, le livre de Carol Tulloch, trace l'impact des styles noirs sur l'histoire de la mode, mais de manière transnationale. Et c'est ce focus sur cet accent qu'elle met sur la diaspora noire que je trouve intéressant. Avec l'écologie, donc sustainable fashion, ce sont peut-être les principales préoccupations de la recherche en culture de mode aujourd'hui, en tout cas dans le contexte identitaire. Alors, juste pour avancer un peu plus vite, dans le contexte plus précis de culture visuelle, il y a à mon sens trois éléments reliés à prendre en compte pour comprendre la conjoncture actuelle. Ce sont les liens entre célébrité, finance, financiarisation et art visuel. Et là, je voulais faire juste un lien avec les arts visuels. La nouvelle célébrité arrive bien sûr historiquement avec la financiarisation. Les processus de finance de l'industrie de la mode et par le luxe à partir des années 90. Et un bouleversement total de la manière de concevoir la création, la consommation et l'image de mode. Au sein de l'université, et surtout en cultural studies, il est rare de nos jours de voir les excès de ces développements, particulièrement la célébrité. Les universitaires critiquent très rarement les excès de la célébrité par peur de paraître puritain ou dépassé ou de reproduire la posture de l'école de Francfort sur la culture populaire. Mais comme le constate Pamela Church Gibson dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, on ne peut plus penser ou parler de mode sans évoquer la célébrité ou ce qu'elle appelle après Warhol « the art celebrity fashion nexus », un peu la situation contemporaine qui relie l'art, les arts visuels, la célébrité, finance, luxe et mode. Et là, il y a d'autres exemples. Là, je vous montre les marques qui occupent la culture, qui font médias.
Là, vous avez les images de l'exposition de l'année dernière à Mademoiselle Privée à la Saatchi Gallery à Londres. Donc, le but était la mise en culture de l'image, l'identité et le patrimoine de la marque Chanel par le vecteur du musée. Ou bien le cas de Louis Vuitton, juste pour terminer, qui est peut-être le plus emblématique quand on pense à ces relations entre finance, art, visuel et luxe. Louis Vuitton est bien sûr la marque française la plus puissante. Selon le cabinet nord-américain Interbrand, après Apple, Coca-Cola, Google, les trois premiers du ranking, Louis Vuitton est la 17e marque la plus connue dans le monde en 2013. Et sous l'ancien directeur, l'ancien créateur de mode, Marc Jacobs, qui a transformé ce qui était une vieille marque de luxe, après tout, en marque de mode, il y avait un certain nombre de collaborations artistiques entre les artistes, entre le créateur et les artistes tels que Takashi Murakami. Et là, vous voyez des images d'une exposition à Los Angeles en 2007, où la marque a installé une boutique éphémère dans le musée, dans lequel on pouvait acheter les sacs en série limitée. Donc là, on voit au fond que les liens entre œuvres d'art et produits de consommation ont disparu. Une démarche qui, bien sûr, d'un point de vue cultural studies, qui est discutable, plus que discutable, et problématique. Pour terminer, alors deux mots pour conclure en fait tout ça, pour to pull the strands together. Comme dans le cas de la célébrité, l'impact des cultural studies ou les approches méthodologiques des cultural studies sur la mode a été conséquent. Les fashion studies émergent des cultural studies. Non seulement la manière d'envisager et de critiquer les questions de représentation et d'identité en lien avec l'image de mode, et là la question de la race est centrale à la question, mais aussi de dénouer les liens complexes entre économie, art et culture, ce que j'essaie de faire très brièvement avec ces exemples de marques de luxe, mais aussi d'envisager des formes de contestation qui est vraiment le fond de commerce des cultural studies d'un point de vue historique. La question de la production en termes de mode est devenue plus en plus centrale aux fashion studies, et on pourrait même dire que la question de la production est devenue un nouveau souffle en fait pour la critique marxiste en relation avec l'industrie de la mode, mais aussi pour les approches critiques de la consommation de mode, qui évidemment viennent d'une tradition cultural studies à l'anglaise. Voilà, je vais terminer là parce que c'est il était temps de finir. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a maximum un petit quart d'heure d'échange. Ah, on a un petit peu débordé. On peut poser deux questions. Ok. Deux questions. Alors, j'en vois une là-bas. I realize I forgot to translate most of that, but I was going quite hurriedly. Sorry. Deux questions courtes et des réponses courtes. Bonsoir, j'aurais une question pour Sophie Orlando. Quand on pense, sans connaître trop le cinéma, au cinéma britannique, je pense souvent à Steve McQueen, et du coup je me demandais quelle était sa position par rapport à cette tradition cinématographique. Je sais qu'il a commencé comme vidéaste, et du coup, est-ce qu'il est dans un prolongement ou en rupture avec ce travail, et comment il est perçu par l'art black, au fait. Oui. Voilà. Oui, c'est une question importante, parce qu'il y a toute une série d'artistes. Alors moi, je suis moins spécialiste du cinéma que des arts, ce qu'on dirait en français plastique, ou en anglais fine art, mais il y a toute une série d'artistes dont fait partie Steve McQueen, et bizarrement, à la limite, Isaac Julian, par endroit, alors qu'il était complètement pris dans les débuts du black art, dans le collectif Sankofa. Mais Steve McQueen, comme Mona Hatoum, ont été des artistes qui se sont formés, ont eu des amitiés, ont été complètement proches en fait, d'autres black artistes, mais qui, à un moment, n'ont plus revendiqué une appartenance à cette période.
l'histoire. Donc et surtout, Mona Hatoum, qui est exposée ici il n'y a pas longtemps, j'en parle aussi pour cette raison, puisqu'elle est aussi à la Tate en ce moment. Très clairement, il y a un moment où, en fait, elle a plutôt intérêt, si elle veut une carrière internationale, à ne plus revendiquer cette position. Donc elle arrête de parler de ça. Et aujourd'hui, évidemment, ces questions se reposent, puisque maintenant, beaucoup d'artistes du Black Art reviennent sur le devant de la scène, commencent à être revus, montrés, discutés, institutionnalisés. Donc là, bon, on va réouvrir toutes ces questions-là. Il me semble que Steve McQueen n'a rien à voir, en fait, avec cette tradition-là, je crois, non ? Il ne vient pas de la même tradition intellectuelle, en fait, que les artistes tels qu'Isaac Julian, où on voit que c'est quelqu'un qui a été nourri, en fait, des études culturelles anglaises, ouais, de manière critique, il me semble. Oui, mais il avait des amitiés, des liens, il y a d'autres types de rapprochements. Après, si on se passe du point de vue des cultural studies, je suis d'accord. Mais clairement, il y avait, beaucoup d'artistes vivaient ensemble dans des squats pour pouvoir produire, en fait, notamment des photographes, David Ebele, qui vivaient, enfin, ils vivaient souvent les mêmes rues, et donc il y a eu des discussions, des débats. Mais encore une fois, hein, les artistes du Black Art ne sont pas seulement liés aux cultural studies, hein, mais viennent puiser dans une série de références. Parfois donc complètement féministe. Enfin, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit, mais ce lien a été très accentué à un moment aussi pour donner de la visibilité aux Black artistes. Dernière question. Une question courte pour Nick. J'ai demandé aux étudiants du Master Mode et Communication de faire des exposés. Je leur ai fait lire Dick Hebdige. Qui a été traduit en français dans les années 2000, parce qu'on fait tout 30 ans après vous. Et je leur ai demandé de faire des exposés sur les subcultures contestataires actuelles et leur dimension stylistique. Et en fait, ils n'ont pas trouvé de subcultures contestataires qui ne soient pas déjà... récupérées par... Oui, voilà. Oui, oui. Donc, est-ce que ça existe encore ou pas ? Non, je ne crois pas, en fait, parce que la situation est tellement... ben c'est plus complexe, en fait. Il me semble qu'il y a bien sûr des cultures politiques contestataires, mais le lien entre style ou mode et contestation paraît flou, en fait, tout simplement, non? Je serais plutôt d'accord avec tes étudiants, en fait. Ouais. Ceci dit, on peut quand même parler d'une esthétique de la contestation. Oui. Ouais. Je pense le coup aux travaux de Maxime Boisdi sur le Black Bloc. Oui. Et sur, pour le coup, le type d'esthétique et le type de construction de la visibilité, de l'invisibilité qu'élabore le Black Bloc. Alors, c'est sûr que c'est très différent des types de subcultures, pour le coup, très organisées, très identifiables, effectivement, précisément des années 70. Ouais. C'est une piste. Non, c'est... c'est ça, la rue, en fait, Instagram, qui a remplacé street. Instagram is the street, en fait. Mais c'est un peu ça, ouais. Non, je suis d'accord. Malheureusement, on doit clore le débat, puisqu'on a vraiment dépassé le temps. Je remercie à nouveau l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui et de ces deux jours pour leurs interventions vraiment extrêmement généreuses. Thank you all for your very, very generous communications, and it was a pleasure having you here. Et puis merci aux courageux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, et on voit deux, trois qui sont restés pendant les deux jours avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Juste une dernière chose, si vous aviez des casques, merci de bien vouloir les rendre. Et puis, j'espère que la discussion qu'on a engagée se poursuivra évidemment ailleurs, dans d'autres espaces. On va peut-être remercier Maxime d'avoir organisé le... Oui, le Maxime et puis toute l'équipe d'organisation, Maxime Boisdi,
Boidy, Christophe Magis, David Mark Kaiser, Mark Kaiser et Isabelle Bastien Duplex. Merci. Et je voulais remercier aussi, les régisseurs, donc Renaud, Arnaud, Pierre et Thomas pour le travail.